Hi, everybody. This is week. What are we on? Week three? Week three of our book club, The Book Thief and La Voleuse de Livres. So today we're going to read the chapter that are called The Woman with the Iron Fist. And what's the name of the other chapter we're reading The kiss. today? Huh? The The kiss. Kiss. Yeah. I was like, I wrote it somewhere. Thank you, Sasha. And we hope you've been enjoying those recordings. And we'll have some questions for you today as well that you can find in the description of the video. There'll also be a definition because we're going to ask about something that some of you might not know yet or not very well. And Sasha has some research question for you today, which sounds kind of quite fun. So I hope you'll enjoy it. Sasha, anything you want to add before we start the reading? Salut, c'est la troisième semaine du livre, culte de livre pour la valeuse du livre, or the book thief. Aujourd'hui, on lit deux chapitres, la femme à la poigne de fer et le baiser, je crois. Oui. Et je vais demander une question de recherche un peu plus tard et on va apprendre beaucoup et apprendre une nouvelle définition qui va peut-être être un peu différente pour quelques-uns de vous si vous n'avez pas encore appris trop à l'école. Alors, Julie va commencer. Allons-y. The woman with the iron fist. Those first few months were definitely the hardest. Every night, Liesl would nightmare. Her brother's face, staring at the floor. She would wake up swimming in her bed, screaming and drowning in the floods of sheets. On the other side of the room, the bed that was meant for her brother floated boat-like in the darkness. Slowly, with the arrival of consciousness, it sank, seemingly into the floor. This vision didn't help matters, and it would usually be quite a while before the screaming stopped. Possibly the only good to come out of these nightmares was that it brought Hans Hoberman, her new papa, into the room to soothe her, to love her. He came in every night and sat with her. The first couple of times, he simply stayed, a stranger to kill the aloneness. A few nights after that, he whispered, "Shh, I'm here, it's all right." After 3 weeks, he held her. Trust was accumulated quickly, due primarily to the brute strength of the man's gentleness, his there-ness. The girl knew from the outset that Hans Hoberman would always appear mid-scream, and he would not leave. A definition not found in the dictionary. Not leaving, an act of trust and love often deciphered by children. Hans Hoberman sat sleepy-eyed on the bed, and Liesl would cry into his sleeves and breathe him in. Every morning, just after 2 o'clock, she fell asleep again to the smell of him. It was a mixture of dead cigarettes, decades of paint, and human skin. At first, she sucked it all in, then breathed it, until she drifted back down. Each morning, he was a few feet away from her, crumpled, almost halved in the chair. He never used the other bed. Liesl would climb out and cautiously kiss his cheek, and he would wake up and smile. Some days, Papa told her to get back into bed and wait a minute, and he would return with his accordion and play for her. Liesl would sit up and hum, her cold toes clenched with excitement. No one had ever given her music before. She would grin herself stupid, watching the lines drawing themselves down his face and the soft metal of his eyes, until the swearing arrived from the kitchen. "Stop that noise, circle!" Papa would play a little longer. He would wink at the girl, and clumsily she'd wink back. A few times, purely to incense Mama a little further, he also brought the instrument to the kitchen and played through breakfast. Papa's bread and jam would be half eaten on his plate, curled into the shape of bite marks, and the music would look Liesl in the face. I know it sounds strange, but that's how it felt to her. Papa's right hand strolled the two scarlet keys. His left hit the buttons. She especially loved to see him hit the silver sparkled button, the C major. The accordion scratched yet shiny
black interior came back and forth as his arm squeezed the dusty bellows, making it suck in the air and throw it back out. In the kitchen on those mornings, Papa made the accordion live. I guess it makes sense when you really think about it. How do you tell if something is alive? You check for breathing. The sound of the accordion was, in fact, also the announcement of safety. Daylight. During the day, it was impossible to dream of her brother. She would miss him and frequently cry in the tiny washroom as quietly as possible, but she was still glad to be awake. On her first night with the Huberman, she had hidden her last link to him, the grave digger's handbook, under her mattress. And occasionally she would pull it out and hold it, staring at the letters on the cover and touching the print inside. She had no idea what any of it was saying. The point is, it didn't really matter what that book was about. It was what it meant that was more important. The book's meaning. The last time she saw her brother. The last time she saw her mother. Sometimes she would whisper the word mama and see her mother's face 100 times in a single afternoon. But those were small miseries compared to the terror of her dreams. At those times, in the enormous mileage of sleep, she had never felt so completely alone. As I'm sure you've already noticed, there were no other children in the house. The Hubermans had 2 of their own, but they were older and had moved out. Hans Jr. worked in the center of Munich, and Trudy held a job as a housemaid and childminder. Soon, they would both be in the war. One would be making bullets, the other would be shooting them. School, as you might imagine, was a terrific failure. Although it was state-run, there was a heavy Catholic influence, and Lissel was Lutheran. Not the most auspicious start. Then they discover she couldn't read or write. Humiliatingly, she was cast down with the younger kids who were only just learning the alphabet. Even though she was thin-boned and pale, she felt gigantic among the midget children, and she often wished she was pale enough to disappear altogether. Even at home, there wasn't much room for guidance. "Don't ask him for help," Mama pointed out. "That circle," Papa was staring out the window, as was often his habit. He left school in 4th grade. Without turning around, Papa answered calmly but with venom. "Well, don't ask her either." He dropped some ash outside. "She left school in 3rd grade. There were no books in the house, apart from the one she had secreted under her mattress. And the best Lissel could do was speak the alphabet under her breath before she was told in no uncertain term to keep quiet. All that mumbling, it wasn't until later, when there was a bed-wetting incident mid-nightmare, that an extra reading education began. Unofficially, it was called the midnight class, even though it usually commenced at around 2 in the morning. More of that soon. In mid-February, when she turned 10, Lissel was given a used doll that had missing leg and yellow hair. "It was the best we could do," Papa apologized. "What are you talking about? She's lucky to have that much," Mama corrected him. Hans continued his examination of the remaining leg while Lissel tried on her new uniform. 10 years old meant Hitler Youth. Hitler Youth meant a small brown uniform. Being female, Lissel was enrolled into what was called the BDM. Explanation of the abbreviation. It stood for Bund Deutscher Mädchen, Band of German Girls. The first thing they did there was make sure you Hail Hitler, was working properly. Then you were taught to march straight, roll bandages, and sew up clothes. You were also taken hiking and on other such activities. Wednesday and Saturday were the designated meeting days from 3 in the afternoon until 5. Each Wednesday and Saturday, Papa would walk Lissel there and pick her up 2 hours later. They never spoke about it much. They just held hands and listened to their feet, and Papa had a cigarette or two. The only anxiety Papa brought her was the fact that he was constantly leaving. Many evenings, he would walk into the living room,
which doubled as the Huberman's bedroom, pulled the accordion from the old cupboard, and squeezed past in the kitchen to the front door. As he walked up Himmel Street, Mama would open the window and cry out, "Don't be home too late." "Not so loud," he would turn and call back. "Zauker, lick my ass. I'll speak as loud as I want." The echo of her swearing followed him up the street. He never looked back, or at least not until he was sure his wife was gone. On those evenings, at the end of the street, accordion case in hand, he would turn around just before Frau Diller's corner shop and see the figure who had replaced his wife in the window. Briefly, his long ghostly hand would rise before he turned again and walk slowly on. The next time Lisel saw him would be at 2 a.m. when he dragged her gently from her nightmare. Les soirées dans la petite cuisine étaient systématiquement bruyantes. Rosa Huberman parlait sans cesse, et quand elle parlait, c'était sous forme de schimpfen. Elle n'avait pourtant personne avec qui... Elle passait son temps en plainte et en chamaillerie. Elle n'avait pourtant personne avec qui véritablement de chamailler, mais elle faisait feu de tout bois. Elle pouvait se disputer avec le monde entier dans cette cuisine. Et c'est ce qu'elle faisait presque chaque soir après dîner. Hans partit, elle restait généralement là et repassait en compagnie de Lisette. Régulièrement, à son retour de l'école, Lisette accompagnait maman quand elle faisait ses tournées de blanchissage dans le quartier résidentiel de Murking, Nordstrasse, Heidestrasse et quelques autres rues. Maman livrait le repassage ou prenait le linge à laver avec un sourire de commande. Mais dès que les clients avaient refermé leurs portes, elle maudissait ces gens dont la richesse n'avait d'égal à ses yeux que leur paresse. Trop gestinkert pour laver leur propre linge, maugréait-elle, oubliant qu'elle avait besoin d'eux pour gagner sa vie. Celui-là, tout l'argent lui vient de son père, disait-elle de Herr Vogel, qui habitait Heidestrasse. Ça passe en femme et en alcool. Et en lavage et en repassage, bien sûr. C'était une sorte de liste d'appels du mépris. Herr Vogel, Herr et Frau Pfaffelhörfer, Elena Schmidt, les Weingartner, tous étaient coupables de quelque chose. Rosa reprochait à Ernst Vogel, outre son goût pour la boisson et les femmes, de fourrager tout le temps dans ses cheveux rares, de se sucer les doigts et de tendre ensuite l'argent. « Je devrais laver les pièces avant d'arriver à la maison, » disait-elle pour résumer. Les Pfaffelhörfer, eux, observaient le linge et à la loupe. Rosa les imitait. « Pas une pli sur les chemises, s'il vous plaît. Pas un faux pli sur le complet. » Là-dessus, ils vont tous inspecter sous mon nez. Quel xindel, quel racaille. Les Weingartner étaient les gens apparemment stupides, propriétaires d'un chat qui perdait ses poils, cette zarmanche de bestiole. Tu sais combien de temps ça me prend d'ôter tous ces poils? Il y en a partout. Elena Schmidt était une riche veuve. Cette vieille impotente reste assise sur son cul. Elle n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Mais Rosa réservait l'essentiel de son dédain aux 8 Grandstrasse, une imposante demeure bâtie sur les hauts de Mulking, au sommet d'une colline. « Ça, c'est la maison du maire, cet escroc, » dit-elle à Lisel en la montrant du doigt la première fois où elles s'y rendirent ensemble. « Sa femme ne bouge pas de chez elle. Elle est trop radin pour allumer le feu et on se gèle les fesses là-dedans. Elle est cinglée, » martela-t-elle. « Cinglée. » Devant la grille d'entrée, elle fit signe à Lisel. « Tu y vas ?» Lisel était horrifiée. En haut d'une volée de marches, une immense porte se dressait, ornée d'un heurtoir de cuivre. « Quoi ?» Maman lui donna un coup de coude dans ses côtés. « Pas de quoi avec moi, Zarmanche. Remue-toi les fesses. » Lisel les remua. Elle emprunta l'allée, monta les marches, hésita, puis abattit le heurtoir. Un peignoir de bain ouvrit la porte. Dedans, il y avait une femme au regard égaré, aux cheveux flous, à l'air vaincu. Elle vit Rosa Huberman à la grille et tendit à la fillette un sac de linge. « Merci, » dit Lisel. Il n'y eut pas de réponse, juste la porte qui se referma.
Tu vois, tes mamans, lorsqu'elle la retrouva à la grille, voilà ce que je dois me coltiner. Ces salauds de riches, ces charognes qui ne fichent rien. En partant, le linge à la main, Lisel se retourna. Le heurtoir en cuivre la regardait depuis la porte. Quand elle avait fini de récriminer contre les gens qui l'employaient, Rosa Huberman passait à son autre sujet de mécontentement, son mari. Un œil sur la sac à linge, l'autre sur les maisons voûtées, elle n'arrêtait pas de parler. « Si ton papa était bon à quelque chose, je n'aurais pas à faire ça !» disait-elle chaque fois qu'elle traversait Malkin. Elle reniflait l'air méprisant. « Un peintre, pourquoi épouser cet archloch ?» C'est la question qu'on m'a posée dans ma famille. La route crisait sous leurs pas. Du coup, je dois arpenter les rues et me tuer à la tâche dans ma cuisine parce que cette sarcure n'a pas de boulot. En fait, pas un vrai boulot, juste cet accordéon pathétique le soir dans les endroits miteux. Oui, maman. C'est tout ce que tu trouves à dire? Les yeux de maman ressemblaient à des découpages bleu pâle collés sur son visage. Ils poursuivaient leur chemin. Lisel portait le sac. À la maison, le linge était lavé dans une lessiveuse près du fourneau, mis à sécher sur une corde devant la cheminée du salon, puis repassé dans la cuisine. La cuisine, c'était la cœur du maison. T'as entendu? Maman posait la question à Lisel pratiquement tous les soirs. Elle tenait là à la main le fer qu'elle avait fait chauffer sur le fourneau. La maison était faiblement éclairée et Lisel, assise à la table dans la cuisine, regardez le feu qui rougeoyait dans les interstices. Quoi donc? C'était Holzapfel. Maman avait déjà quitté son siège. Cette zarmiche vient encore de cracher sur notre porte. Frau Holzapfel, une voisine, avait pris l'habitude de cracher régulièrement sur la porte d'entrée des Huberman. Celle-ci n'était qu'à quelques mètres du portail et Frau Holzapfel avait, disons, une bonne puissance de tir et elle visait juste. Cette tradition était le résultat d'une guerre verbale qui durait depuis au moins une décennie entre elle et Rosa Huberman. Personne ne connaissait l'origine de ces hostilités et probablement les intéressés ne s'en souvenaient-elles même plus. Frau Holzapfel était une femme sèche et visiblement venimeuse. Elle ne s'était pas mariée, mais avait deux fils, un peu plus âgés que les rejetons Huberman. Tous deux étaient dans l'armée. Et nous aurons bientôt l'occasion de les retrouver, je vous le promets. Pour revenir à cette histoire de crachat, je dois dire que Frau Holzapfel manifestait une indéniable constance dans l'exercice de la chose. Elle n'oubliait jamais de spooken sur la porte du numéro 33 chaque fois qu'elle passait devant en lançant Schweine. J'ai remarqué une chose à propos des Allemands. Ils ont l'air d'adorer les cochons. Une question mineure. Et sa réponse. Et qui croyez-vous qui devait nettoyer le crachat sur la porte tous les soirs? Bravo, vous avez gagné! Quand une femme à la poigne de fer vous dit d'aller nettoyer le crachat sur la porte, vous y allez. Surtout quand le fer à repasser en question est chaud. La routine, en quelque sorte. Chaque soir, Lisel sortait, essuyait la porte et observait le ciel. Généralement, il ressemblait à du liquide répandu, froid, épais, gris et luisant, mais parfois quelques étoiles avaient le courage de monter à la surface et d'y flotter, ne fût-ce que quelques minutes. Ces soirs-là, elle attendait un peu. « Bonsoir, étoile !» Elle attendait encore, que la voix l'appelle de la cuisine, où les étoiles soient de nouveau entraînées vers le fond des eaux du ciel allemand. And that's our first chapter. And the first question for this chapter is actually more of an exercise. Can you find five examples of imagery in this chapter? So imagery, here we're defining it as using figurative language to represent object, action, and idea in such a way that it appeals to our physical senses. Usually it is thought that imagery makes us use of particular words that create visual representation of ideas in our mind. And that was my question for the first part. Sasha? And so if you've studied that in school, you might want to find examples of metaphor or simile or personification or any words that you guys remember from your English classes or maybe your French classes for literary devices that you can find.
Et puis, ma question, c'est comment pouvez-vous décrire les liens de pouvoir entre les personnages? Qui a le pouvoir et qui n'en a pas? Parce que la deuxième partie de ce chapitre, c'est tout à propos du pouvoir. OK, notre deuxième chapitre pour aujourd'hui, c'est le baiser. Le baiser, un décideur précoce. Comme souvent dans les petites villes, il y avait pas mal de personnages particuliers à Molkin. Quelques-uns habitaient la rue humaine. Frau Holzapfel n'était qu'un membre de la distribution. Parmi les autres, on trouvait Rudy Steiner, le jeune voisin obsédé par l'athlète noir américain Jesse Owens. Frau Diller, la propriétaire de la boutique au coin de la rue, une aryenne pure et dure. Tommy Mueller, un gamin qui avait subi plusieurs opérations à la suite d'otites à la répétition et se retrouvait avec le visage traversé par une rivière de peau rose et des tics épisodiques. Un homme connu sous le nom Fificus, si vulgaire qu'à côté de lui, Rosa Huberman ressemblait à une orfèvre de mots doublée d'une sainte. Globalement, c'était une rue peuplée par des gens modestes, malgré l'apparent redressement de l'économie sous Hitler. Il y avait encore des poches de pauvreté dans la ville. Les locataires de la maison voisine de celle des Huberman étaient donc les Steiner. La famille comptait 6 enfants. L'un d'eux, Rudy, allait devenir le meilleur ami de Liselle, puis plus tard, le complice et parfois le catalyseur de ses délits. Elle fit sa connaissance dans la rue. Quelques jours après le premier bain de Liselle, maman lui permit d'aller jouer dehors avec les autres enfants. Dans la rue Imel, les amitiés se nouaient à l'extérieur, quel que fût le temps. Les enfants se rendaient rarement les uns chez les autres, car les logements étaient exigus et chichement meublés. Par ailleurs, c'était dans la rue qu'ils se livraient avec ardeur à leur passion favorite, le football. Les équipes étaient constituées avec sérieux. Des poubelles délimitaient la cage du gardien de but. Comme Liselle était nouvelle, on la colla aussitôt entre deux de ces poubelles. Tommy Mueller fut finalement libéré, bien qu'il fût le joueur de foot le plus nul que la rue ait connu. Tout se passa bien jusqu'au moment fatal où Rudy Steiner fut plaqué dans la neige par un Tommy Mueller rongé par la frustration. « Quoi ?» hurla Tommy, le visage secoué de tic. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» L'équipe de Rudy se vit accorder une pénalty et Rudy Steiner se retrouva face à la nouvelle Liesel Memminger. Sûr du résultat, il plaça le ballon sur un monticule de neige sale. Après tout, sur 18 pénalties, il n'avait pas manqué un seul, même lorsque l'adversaire réussissait à sortir Tommy Mueller des buts. Quel que fût le remplaçant, Rudy marquait. Pour l'occasion, ils tentèrent de faire sortir Liesel. Comme vous pouvez imaginer, elle protesta et Rudy fut d'accord. « Mais non, voyons !» dit-il avec un sourire tout en se frottant les mains. « Quel reste !» La neige avait cessé de tomber sur la chaussée grisâtre et les traces de pas s'entrecroisaient entre eux. Rudy se concentra et tira. Liesel plongea et dévia le ballon avec son coude. Elle se releva avec un grand sourire, mais elle fut accueillie par une boule de neige en plein dans la figure. Il y avait beaucoup de boue dedans. Cela chauffait affreusement. Pas mal visé, non? Rudy, se remit à courir après le ballon. Zauker, chuchota Liselle. Elle apprenait vite le vocabulaire de son nouveau foyer. Quelques informations sur Rudy Steiner. Il avait 8 mois de plus que Liselle, des jambes osseuses, des dents pointues, des yeux bleus allongés et des cheveux jaunes citron. Il était l'un des 6 enfants de la famille Steiner et avait toujours faim. Rue Emel, on le considérait comme un peu bizarre à cause d'un épisode dont on parlait peu, mais qu'on avait baptisé l'incident Jesse Owens. Une nuit, il s'est barbouillé de noir et il était allé courir le 100 mètres sur la piste locale. Mm-hmm. Bizarre ou pas, Rudy était destiné à devenir le meilleur ami de Liselle. Une boule de neige en pleine figure est certainement la meilleure entrée en matière pour une amitié durable.
Quelques jours après, après avoir commencé l'école, Liesel alla en classe en compagnie des Steiner. La mère de Rudy, Barbara, avait entendu parler de la boule de neige et fait promettre à son fils d'accompagner la nouvelle. À la décharge de Rudy, il faut dire qu'il fut ravi d'obéir. Il n'avait rien d'un gamin misogyne. Il aimait beaucoup les filles, et tout particulièrement les ailes, d'où la boule de neige. En fait, Rudy Steiner était l'un de ces jeunes audacieux, très confiants quand il s'agit des filles. Il y a toujours dans un groupe ce genre de garçon qui n'a pas peur du sexe opposé, justement parce que tous les autres le craignent et qu'il sait prendre une décision le moment venu. En l'occurrence, Rudy avait déjà les vues sur Liesel Memminger. Sur le chemin de l'école, il tenta de glisser quelques commentaires sur la ville, tout en intimant au plus jeune Steiner de la fermer et en étant prié par ses aînés de se taire. Le premier détail intéressant qu'il signala à Liesel fut une petite fenêtre au premier étage d'un groupe d'immeubles. « C'est là qu'habite Tommy Mueller, » dit-il. Puis, il se rendit compte qu'elle ne voyait pas qui c'était. « Celui qui était tic, poursuivit-il. À 5 ans, il s'est perdu au marché. C'était le jour le plus froid de l'année et il était comme un bloc de glace qu'on a retrouvé 3 heures après. Il avait les oreilles dans un sale état. Elles ont fini par s'infecter et on l'a opéré 3 ou 4 fois. Les toubibs lui ont bousillé les nerfs. Du coup, maintenant, il a des tics. Et il joue mal au foot, glissa Liesel. C'est le plus mauvais. La prochaine curiosité qu'il tentait à lui montrer, c'était le bazar du fraud dealer au bout de la rue Imel. Une remarque importante à propos de fraud dealer. Elle avait une règle d'or. Fraud dealer était une femme à l'air dur, avec de grosses lunettes et un regard méchamment perçant. Elle cultivait cette apparence afin de décourager toute tentative de vol dans sa boutique, qu'elle occupait dans une attitude toute militaire, avec une voix glaçante et même une haleine qui sentait le Heil Hitler. Le magasin lui-même était blanc, froid et sans vie. La petite maison voisine qu'il comprimait frisonnait un peu plus que les autres bâtiments de la rue Imel. Frau Diller entretenait ce côté réfrigérant, le seul article qu'elle offrait gratuit. Elle vivait pour son magasin et son magasin vivait pour le Troisième Reich. Quand le rationnement fut mis en place un peu plus tard dans l'année, elle eut la réputation de vendre sous le manteau certains produits difficiles à trouver et de donner l'argent au parti nazi. Sur le mur, derrière l'endroit où elle se tenait généralement, une photo du Führer était encadrée. Si l'on était dans sa boutique sans lancer Heil Hitler, on n'était pas servi. Au moment où il passait devant, Rudy attira l'attention de Liesel sur le regard blindé qui surveillait dans la rue depuis la vitrine. « Dire Heil quand tu entres, » prévint-il sur un ton solennel. Après avoir dépassé la boutique, Liesel se retourna. Les yeux agrandis par les verres étaient toujours là, collés à la vitrine. L'artère principale qui faisait langue avec la rue Imel, la rue Munich, était pleine de neige à demi fondue. Comme souvent, des soldats à l'entraînement arrivaient au pas cadencé, sanglés dans leur uniforme. Leurs bottes noires polluèrent encore un peu plus la neige. Ils regardaient fixement devant eux. Lorsqu'ils eurent disparu, Liesel et les enfants Steiner passèrent devant quelques vitrines, puis devant l'imposant hôtel de ville qui sera abattu et enseveli quelques années plus tard. Certaines des boutiques, encore marquées par les étoiles jaunes et les slogans antisémites, étaient abandonnées. Plus loin, l'église visait le ciel avec son clocher. La rue elle-même était une longue tube de grisaille, un couloir d'humidité, des silhouettes voûtées dans le froid et l'écho mouillé dans le pas de la gadoue. À un moment, Rudy courut en avant, entraînant Liesel derrière lui. Il alla frapper à la vitrine d'une boutique de tailleur. Si la fillette avait su lire l'enseigne, elle aurait compris que le magasin appartenait
au père de Rudy. Il n'était pas encore ouvert, mais à l'intérieur, derrière le comptoir, un homme s'affairait. Il leva les yeux et agita la main. « Mon papa !» dit Rudy. Bientôt, les Steiner de toutes les tailles les entourèrent, les plus jeunes faisant bonjour en envoyant des baisers à leur père, les plus âgés se bornant à un simple signe de tête. Puis ils poursuivirent leur route jusqu'à la dernière curiosité que Rudy voulait montrer à Liesel avant l'école. The last stop, the road of yellow stars. It was a place nobody wanted to stay and look at, but almost everyone did. Shaped like a long broken arm, the road contained several houses with lacerated windows and bruised walls. The Star of David was painted on their doors. Those houses were almost like lepers. At the very least, they were infected sores on the injured German terrain. Schillerstrasse, Rudy said, the road of yellow stars. At the bottom, some people were moving around. The drizzle made them look like ghosts, not human, but shapes, moving about beneath the lead-colored clouds. Come on, you two, Kurt, the oldest of the Steiner children, called back, and Rudy and Liesel walked quickly toward him. At school, Rudy made a special point of seeking Liesel out during the breaks. He didn't care that others made noises about the new girl's stupidity. He was there for her at the beginning, and he would be there later on, when Liesel's frustration boiled over, but he wouldn't do it for free. The only thing worse than a boy who hates you, a boy who loves you. In late April, when they'd returned from school for the day, Rudy and Liesel waited on Himmel Street for the usual game of soccer. They were slightly early, and no other kids had turned up yet. The one person they saw was a gutter-mouthed Pfiffikus. Look there, Rudy pointed, a portrait of Pfiffikus. He was a delicate frame, he was white hair, he was white haired. He was a black raincoat, brown pants, decomposing shoes, and a mouse, and what a mouse it was. Hey, Pfiffikus! As the distant figure turned, Rudy started whistling. The old man simultaneously straightened and proceeded to swear with a ferocity that can only be described as a talent. No one seemed to know the real name that belonged to him, or at least if they did, they never used it. He was only called Pfiffikus, because you give that name to someone who likes to whistle, which Pfiffikus most definitely did. He was constantly whistling a tune called the Radzeki's March, and all the kids in town will call out to him and duplicate that tune. At that precise moment, Pfiffikus would abandon his usual walking style, bend forward, taking large lanky steps, arm behind his raincoat's back, and erect himself to deliver abuse. It was then that any impression of serenity was violently interrupted, for his voice was brimming with rage. On this occasion, Liesel followed Rudy's taunt almost as a reflex action. Pfiffikus, she echoed, quickly adopting the appropriate cruelty that childhood seems to require. Her whistling was awful, but there was no time to perfect it. It chased them, calling out. It started with gay schrissen and deteriorated rapidly from there. At first, he leveled his abuse only at the boy, but soon enough, it was Liesel's turn. You little slut, he roared at her. The words clobbered her in the back. I've never seen you before. Fancy calling a 10-year-old a slut. That was Pfiffikus. It was widely agreed that he and Frauen Holzapfel would have made a lovely couple. Get back here, were the last words Liesel and Rudy heard as they continued running. They ran until they were on Munich Street. Come on, Rudy said once they've recovered their breath. Just down here a little. He took her to Hubert Oval, the scene of the Jesse Owen incident, where they stood, hands in pockets. The track was stretched out in front of them. Only one thing could happen. Rudy started it. 100 meters, he goaded her. I bet you can't beat me. Liesel wasn't taking any of that. I bet you I can. What do you bet, you little sourmunch? Have you got any money? Of course not. Do you? No. But Rudy had an idea. It was the lover boy coming out of him.
If I beat you, I get to kiss you. He crouched down and began rolling up his trousers. Lizzle was alarmed, to put it mildly. What do you want to kiss me for? I'm filthy. So am I. Rudy clearly saw no reason why a bit of filth should get in the way of things. It had been a while between baths for both of them. She thought about it while examining the weedy legs of her opposition. They were about equal with her own. There was no way he can beat me, she thought. She nodded seriously. This was business. You can kiss me if you win, but if I win, I get out of being goalie at soccer. Rudy considered it. Fair enough, and they shook on it. All was dark-skied and hazy, and small chips of rain were starting to fall. The track was muddier than it looked. Both competitors were set. Rudy threw a rock in the air as the starting pistol. When it hit the ground, they could start running. I can't even see the finish line, Lizzle complained. And I can. The rock wedged itself into the earth. They ran next to each other, elbowing and trying to get in front. The slippery ground slurped at their feet and brought them down perhaps 20 meters from the end. Jesus, Mary, and Joseph, yelled Rudy. I'm covered in shit. It's not shit, Lizzle corrected him. It's mud. Although she had her doubts. They'd slid about another 5 meters towards the finish. Do we call it a draw then? Rudy looked over, all sharp teeth and gangly blue eyes. Half his face was painted with mud. If it's a draw, do I still get my kiss? Not in a million years, Lizzle stood up and flicked some mud off her jacket. I'll get you out of goalie. Stick your goalie. As they walked back to Hummel Street, Rudy forewarned her. One day, Lizzle, he said, you'll be dying to kiss me. But Lizzle knew. She vowed. As long as both she and Rudy Steiner lived, she would never kiss that miserable, filthy sourkel, especially not this day. There were more important matters to attend to. She looked down at her suit of mud and stated the obvious. She's going to kill me. She, of course, was Rosa Huberman, also known as Mama, and she very nearly did kill her. The word Sauerchen featured heavily in the administration of punishment. She made mincemeat out of her. And that's the end of our second chapter. OK. Je vais commencer avec ma question parce que c'est pour la première partie du chapitre. Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de recherche. Alors, si vous ne savez pas, ça, c'est OK, c'est bon. Que savez-vous déjà sur Jesse Owens et en particulier sur les Olympiques de 1936? Et si vous ne savez pas son histoire, c'est très intéressant et c'est aussi vraiment important pour cette histoire. Alors, prenez cette opportunité, faites de la recherche vous-même, apprenez un peu à propos de Jesse Owens et de ses Olympiques parce que c'est un moment historique et je crois que ce serait important pour les prochaines chapitres. Oui, yeah, that's definitely a good idea. And my question is about the second part. What is the relationship between Lizzle and Rudy? And also maybe, do they see the relationship in the same way and hope for the same things? I think that's everything for today. Sasha, did you have anything to add? Non, c'est bon. Comme d'habitude, on vous verrait la semaine prochaine et bonne chance. Et si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous demander des questions, parler entre vous, partager avec vos amis. Bonne chance. Have a good day. Thank you so much for being with us. We'll see you next week. And as Sasha said, write your questions, write your answers, share this with friends, start some discussions. We'll be super excited to see what you guys come up with. Have a wonderful day. See you next week.